HEPL Créateur, Espace et Ouverture vous présente « Ça valait le détour ». Toi aussi la musique, ça vient de la mer ou ça vient de derrière? Je crois que ça vient bien de là. Hein. On va découvrir aujourd'hui le premier Sea Fest and Sound. On est à Plomodierne et on va se laisser porter par un superbe vent musical. Allez, on va découvrir. Ça sent bon, ça sent bon ici. Ça va, ça se passe bien? Alors ici c'est quoi? C'est la partie crêpe quoi? Voilà, c'est ça. Sea Fest and Crêpe. C'est ça, exactement. C'est ici. C'est là. Tu sais ce que j'aime bien faire quand je vois des crêpiers moi? Vas-y, annonce. Bah tiens, tu vas tenir le micro. Vas-y. C'est pas fait depuis longtemps. Hein. Hop. T'aider un peu parce qu'à mon avis tu vas être un peu limité. Ah, je vais être limité, c'est une petite crêpe. Voilà, on va t'aider. Hop. Ça va bien se passer. Oh là là, catastrophe. Peut-être couper la caméra, non? Aujourd'hui c'est une petite catastrophe, hein. c'est pas terrible. Voilà, hop. On arrivera à la décoller? Ouais. Hop. C'est pas trop mal quand même. Non, oui, mais c'est très bien. Bah, on... S'il y a festival l'année prochaine, je peux venir faire des crêpes. Je vous l'ai dit, on va garder les coordonnées. Mais c'est le bordel avec vous, mais c'est pas possible ça. Hein? Dès qu'il y a une fanfare, il y a du bruit comme c'est pas permis. Vous savez qu'il y a les artistes qui jouent à côté là? C'est simili-cuivre, c'est ça? Cuif. Simili cuif. Voilà, tu connais Simili cuif? Ouais. Je discute un petit peu avec eux et puis on les voit tout à l'heure. Hein. Bobby Ensou, ça fait combien de temps que ça dure cette belle aventure, ce beau duo maintenant? Ça fait 10 ans maintenant, même un petit peu plus, qu'on tourne en Bretagne, en France et par-delà les frontières de temps en temps. Je crois que tout le monde vous connaît, hein. Il y a eu le prix du Télégramme il y a quelques mois. Tout le monde vous connaît, je me trompe ou pas? Oh, oui, je suppose, oui. Notre famille nous connaît relativement bien, nos amis aussi. Non, c'est vrai qu'on a gagné en visibilité depuis quelques années. Il y a eu le prix du Télégramme, il y a eu pas mal de tournées. On a eu de la presse avec le dernier album qui a bien marché, qui marche toujours pas mal. Si vous voyez Bobby Ensou à l'affiche d'un festival, d'un concert, surtout, allez les voir, c'est du pur bonheur. Merci à vous. Je viens vous voir parce que je suis missionné par l'organisation pour venir contrôler la cuisson des frites. On m'a dit que la cuisson des frites sur le Sea Fest and Sound était vraiment, vraiment excellente. Donc, je viens vérifier. Contrôle qualité, voilà. Non. Vous avez un doute? Regardez, vérifiez. C'est vous qui validez. Validé. Bon bah c'est bon les gars, vous pouvez continuer. Mademoiselle a validé la cuisson, il n'y a pas de souci. La lèvre du bas sur tes dents, sinon tu vas tout péter. Voilà, tu serres et tu souffles. Fort. Très très fort.
Bon, je vais continuer à faire de la télé, moi. Je fais pas de musique, en fait. Ce festival. Bah en fait l'idée est partie de cette histoire d'IDM où en gros on fait des concerts avec les élèves et vu qu'on a un petit peu d'expérience à ce niveau-là, minime, on s'est dit bah, si on mettait la marche un petit peu plus haute et là bah, on a une scène de 52 mètres carrés, on a plein de monde qui est là donc j'ai plus de voix. C'est parfait, ça fait partie du jeu aussi. En tout cas félicitations, ça sera la même date l'année prochaine ou pas? Bah en fait, on essaye de se caler entre les vieilles charrues et le bout du monde. Donc j'ai cru comprendre que les vieilles charrues, ce serait aux alentours du 20, donc bah, ce sera certainement la semaine suivante. Voilà. Eh ben voilà, rendez-vous est pris, on a déjà l'info. L'année prochaine, si tu sais pas quoi faire, Sea Fest and Sound, ici, à Plomodierne. Merci. Allez, nous va profiter jusqu'au bout de ce premier festival Sea Fest and Sound, The Pin Shakers sur scène, The Red Ghost Black tout à l'heure. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bonne semaine, bonnes vacances. Ciao! Créateur, Espace et Ouverture vous a présenté Ça valait le détour.